Salut à tous. Voilà, alors, comme la question des objectifs et de la planification, je l'ai laissé un petit peu en suspens sur ma dernière vidéo par rapport à Pro Cycling Manager 2021. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une tentative d'optimisation, une première en tout cas, donc c'est pas forcément le produit final, mais par contre, c'est en route vers l'optimisation de cette planification. Avec les nouvelles manières de fonctionner du jeu, ce qu'on va prendre comme partie test, donc c'est bien une partie test, hein. Je ne me lance pas dans une partie avec Astana, mais par contre, partie test, c'est Astana que j'ai choisi, en fait, pour une raison très simple, c'est que je connais assez bien le profil des coureurs. Et c'est une équipe qui présente un avantage, au moins au niveau de la simplicité pour ce qui est de planifier. Parce que vous avez quelques coureurs majeurs, quelques équipiers peut-être de valeur, et puis ensuite, c'est tout de même relativement faible, ce qui permet de faire des choix plus facilement, en fait. Je vous donne la manière dont j'ai fait, et puis moi, ce que je vous propose, tout bêtement, c'est que on puisse échanger sur ces bases-là et qu'éventuellement certains, je n'en doute pas d'ailleurs, m'apportent des idées qui seront peut-être meilleures que celles que j'ai eues. Alors je vous explique ce que j'ai fait. Avec chacun des coureurs de l'équipe, alors je ne vais pas vous le faire sous les yeux à tout le monde, hein, mais voyez l'idée, j'ai retiré en fait tous les objectifs qui étaient mis par défaut. Parce que je ne comptais pas réellement les exploiter. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à Frailey et jusqu'à Jakob Fuglsang. Voilà. Ok. On va aussi aller libérer Lutsenko de ses objectifs. Parfait. Et donc en fait, en plaçant, disons, on a fait reset hein, en fait sur les objectifs. Je me suis ensuite, attaché à mettre des objectifs au type qui ressemblait un petit peu qui ressemblerait à ce que je ferais en temps normal, je dirais, sur PCM 2020. Donc, par exemple, mettre à Lutsenko un objectif sur le Tour de France pour aller, on peut imaginer, chercher peut-être une victoire d'étape. Lui mettre également un objectif, puisque c'est le seul coureur à même de performer sur des courses peut-être comme les Flandriennes, essayer de, par exemple, lui demander un objectif, vous voyez, sur le Tour des Flandres. Et en fait, le maître mot là de ce que je fais dans un premier temps, c'est que je ne touche surtout pas à la question des formes cibles. Voilà. Puisqu'on sait que apparemment, dans l'onglet de planification, il faut oublier l'idée de pouvoir gérer la montée en forme et en préparation. Avec les fameux 3 petits plus, 2 petits plus, 1 petit plus, c'est-à-dire 100, 75 et 50%, et ainsi que les semaines de coupure, il faut essayer de le gérer autrement. Donc à partir de là, j'ai essayé de m'adapter. J'ai essayé de m'adapter. À mon sens, ce sera peut-être à réajuster par la suite, mais vous allez voir, déjà, j'ai fait une forme de simulation. Donc par exemple, le Tour des Flandres, on va également lui mettre un objectif sur des Ardennaises, bien sûr. Hein, alors, un petit truc qu'on peut noter, qui est intéressant, je trouve, c'est que si vous lui mettez un objectif sur la flèche, automatiquement, vous voyez apparaître une zone cible, une forme cible à 100% sur la semaine de la flèche. Mais du coup, automatiquement, si vous lui rajoutez un objectif à Liège, c'est bien parce que ça ne modifie rien. Et en fait, c'est normal, c'est la même semaine, parce que la flèche, c'est le mercredi, et Liège, c'est le dimanche. Donc, vous voyez, selon ce principe-là, j'ai fait donc quelque chose de très simple. Après, je me suis occupé de tous les coureurs partageant mon objectif. Là, c'est biaisé, hein, parce qu'il y a évidemment, j'ai pas tout supprimé encore à ce stade-là, mais en fait, j'ai tout supprimé. Ensuite, j'ai remis que des choses assez ciblées. Je ne sais pas, par exemple, on peut imaginer que les championnats du monde pour Alexei Lutsenko soient
Par exemple, un objectif, c'est vraiment un cas de figure, c'est tout, hein, c'est juste pour voir. Et puis pareil, pour Full Sang, on a été faire des choses. Celui que je peux montrer qui est plus intéressant, et puis qui va être plus intéressant à regarder après, ce sera, j'aurais pu prendre Vlasov. Ouais, je vais prendre Vlasov. Prendre Isaac Guiré aussi. Pour la simulation de tout cela, j'ai décidé de faire deux équipes. En tout cas, une principale aussi qui est dédiée au Giro à la Vuelta. C'est qu'en fait, pour Vlasov, par exemple, en se disant Vuelta, allez, bam, tu mets également le. Non, pas le Giro Adriatico, tu mets le Super Giro d'Italia. Oui, c'est les noms par défaut du jeu. Nous le savons. Et bon, tu as quand même la place, quand tu fais ça, tu as quand même la place pour mettre un objectif du côté de Paris-Nice, quand même, faut le dire. Hein, donc voilà. Et ainsi, on se retrouve avec bah, des formes cibles à 100%, ce qui fait que. Ce que j'ose espérer à ce stade-là, c'est que même si on ne peut pas gérer la montée en progression physique du coureur, bah en fait, rien que par les formes cibles, eh ben on va réussir à avoir des zones sur lesquelles finalement notre type, par le jeu des objectifs et par le jeu ben voilà, du 100% là, automatique. Donc, je ne touche surtout rien, je laisse la coupure derrière, je laisse le sang pendant tout ça, parce que j'ai compris que si je touche, en fait, peut-être que ce ne sera pas forcément conservé, on va dire, conservé par le jeu. Et donc, ben, j'ai essayé de faire, j'ai fait ça pour tout le monde, en fait. Donc, je vous passe un petit peu les détails, parce que sinon, c'est très très long. Alors, d'ailleurs, ça, c'est quand même un premier reproche. C'est que si tu veux simplifier les choses pour les objectifs, pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois passer par le rechargement de chacune des épreuves que tu vas considérer? Ça, c'est quand même un petit peu embarrassant parce que si on doit. Vous voyez, on a là quoi une trentaine de coureurs. On a là une trentaine de coureurs et il faut aller chercher comme ça 5-6 objectifs pour chacun. Il va falloir cliquer 180 fois, je le fais à la louche, sur un objectif qu'on va ajouter comme ça. Ça, je trouve ça un petit peu redondant. Pourquoi ne pas imaginer un truc qui existe sur plein d'autres jeux, mais par exemple sur Football Manager, quand vous avez fait votre stratégie là, votre tactique, vous la sauvez, vous lui donnez un nom, et après vous avez qu'à recharger à un autre moment ou même dans une autre partie. Ben là, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des petits enchaînements, type voilà, ben voyez le objectif Paris-Nice, Giro, Volta, qu'on puisse recharger ensuite. Je cherche, hein, peut-être que je n'ai pas vu quelque chose, vous me le direz. Si certains ont vu un truc que je n'ai pas vu, mais non. Enfin, apparemment, il n'y a pas de possibilité d'aller charger comme ça un enchaînement type, je dirais, hein. Ça ferait gagner du temps, par contre. Ça, ce serait exceptionnel. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous allez voir, j'ai plusieurs sauvegardes. Après l'objectif planif du 1er janvier, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour pouvoir vous montrer à la fin. Donc, j'ai fait ça pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'après, objectif par objectif, par exemple, j'ai mis mes gros nuls, enfin, attention, Javier Romo, c'est un type que j'adore et honnêtement, je me garderais bien de le juger mal. C'est un ancien triathlète et tout, c'est un truc de fou, hein. Ce mec est une dinguerie, j'adorerais le voir performer. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc j'ai mis des coureurs assez mal notés sur certains objectifs que je considère comme mineurs pour moi. Et puis après, évidemment, quand on va... De près, ben vous voyez, ça c'est par exemple l'équipe du coup qui apparaît pour Tour d'Italie, Volta et Paris-Nice. J'ai fait les choses simples exprès pour pouvoir y dégager des conclusions à partir de choses simples, voilà, des premières conclusions. Puis après, peut-être on complexifiera le truc, mais donc voilà, quand je fais défiler mes objectifs, vous voyez quelques équipiers avec Lutsenko pour ce qui est du Tour des Flandres. Ensuite, par exemple, ouais, Sanchez et Fraile plutôt sur le Pays Basque. Sur un Lamstel, on donne un pic potentiel à Aramburu. Mais c'est pas un pic en fait, parce que le pic, ça va être autre chose. On va le voir juste après. C'est juste un objectif, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, une fois qu'on a tout rempli, donc ça prend un petit peu de temps, hein, ça c'est comme avant. Hein. Mais sinon, il y a aussi l'adjoint de planification auto-mensuel, si vous avez envie de faire exploser vos barres de fatigue, faut pas se gêner. Moi, en tout cas, c'est pas mon délire. Vous voyez, petit truc très très simple, mais qui fait que en une demi-heure, trois quarts d'heure, tout ça c'est rempli. Puis alors, allez, au moins on va essayer d'être positif sur certains aspects.
La barre verte, elle vous rappelle en fait que ici, votre mec, il est à 100. Donc, une fois que vous avez fait votre onglet objectif, vous pouvez remplir votre planification, je dirais, de manière un petit peu facilitée. Faut quand même faut le reconnaître. Pareil, alors là, il y a peu de subtilité sur l'enchaînement des Paris-Nice, Giro. Vous constaterez que j'ai aussi mis un remplaçant, bien sûr, parce que, enfin, un huitième homme, parce qu'en fait, si tu prévois 7 coureurs pour certaines courses, la World Tour, mais il t'en faut un huitième pour le Giro, il faut quand même que le type ait des jours de course, il faut aussi qu'il soit amené, etc. Bon, là, on rentre dans d'autres choses qui sont, à la limite, pas dépendantes de PCM 21. Et un peu plus de subtilité, donc, dans la planification pour le groupe amené quand même à disputer la majeure partie des classiques, comme Fuglsang, Lutsenko, Aramburu, Sanchez et Gorka et Féline Frailey. Quand même une très jolie équipe, même si elle n'est pas très très bien évaluée sur le plan des notes ici, mais ça c'est quelque chose qui permet vraiment de s'amuser. Donc cela irait sur Tirreno, Strade Bianche, on l'a vu. Après voilà, j'ai été plus tard, j'ai rajouté les 3 jours de Bruges-la-Panne. Tiens, une parenthèse. Je vais essayer de vous parler de la manière la plus efficace possible d'une autre amélioration du jeu. Ça sera dans une autre vidéo. Zone exposée au vent. Vous voyez, ça c'est une nouveauté de Pro Cycling Manager 2021. Sur un certain nombre d'épreuves. Alors là, c'est Gant Wevel Game. Mais vous pouvez retrouver ça également, par exemple, sur les 3 jours de Bruges-la-Panne. Il y a des courses comme ça qui possèdent donc bah, peut-être une facilitation de création de bordure ou de durcissement de la course, etc. Ça, ce sera à explorer. Je vous en parlerai ultérieurement dans une vidéo qui ne parlera que de ça, parce qu'il faut que j'ai du recul dessus. Je ne peux pas parler des choses sans avoir testé vraiment. Sinon, ce serait un peu charlatan. Voilà, vous voyez donc les barres vertes sont réparties sur ce groupe-là, puisqu'ils ont beau faire partie d'un groupe qui a des choses en commun assez nombreuses, comme par exemple se retrouver sur les Ardennaises, avoir démarré ensemble à Tirreno et être allé sur Milan-San Remo, etc. Il y a quand même à des moments des petites divergences. On va pas emmener Sanchez avec son 59 en pavé sur les Flandriennes. Et donc, un peu plus de subtilité à cet endroit-là, mais les barres vertes nous aident tout de même à nous souvenir, ou même parfois, vous voyez, à se dire, oh mince, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de barre verte sous les Ardennaises pour Omar Fraile. Du coup, hop, petite modification à ce moment-là. Fraile. Et ouais, il n'y a pas d'Ardennaises là. Bon, bah donc on va en rajouter. Et donc c'est comme ça en fait que vous pouvez, à mon avis, corriger des petites erreurs de planif. On va mettre Liège, allez, on va pas se casser le bol. Vous voyez, hop, on fait rajouter ici une barre verte de forme cible. Vert clair de forme cible 100%. Voilà. Donc voilà le principe sur lequel j'ai construit cette première planification, un peu une volonté de découvrir les choses. Je suis allé jusque avant le Dauphiné. Dauphiné n'est pas complet. Ça, il faudra le réactualiser. Et qu'est-ce que ça donne un mois plus tard? C'est ça qu'on a envie de savoir, hein. Donc qu'est-ce que ça donne un mois plus tard, le 31 janvier? On peut constater bah, que les choses se passent plutôt pas mal. Elle se passe plutôt bien parce que donc vos objectifs ont subsisté, hein. Enfin, il n'y a rien qui a changé. Les zones vertes, elles sont restées les mêmes. Tiens, je vais vous le prouver avec par exemple Alex Aramburu. Rien n'a changé. Bon, moi, évidemment, j'ai rajouté deux trois petites choses. Par exemple, vous voyez, j'avais demandé une invite à Bruges-la-Panne. Bon, ce sont des détails, ainsi que à travers la Flandre. Enfin voilà, ce sont des détails, tout ça. Ce qui compte, c'est plutôt l'évolution de ce fait de la forme des mecs et de leur niveau de préparation. Alors oui, on est quand même seulement le 31 janvier. Eh bien oui, 56 jours avant l'objectif déclaré. Alors en l'occurrence, pour Full 5, j'avais mis Tirreno en premier objectif. C'est peut-être une erreur, hein, mais c'était un test. Ben oui, le travail a commencé, effectivement. Vous pouvez constater que, par exemple, pour Luis Sanchez, sur lequel le Tour de Catalogne avait été coché, ben à ce moment-là, c'est plutôt un travail qui a démarré là aussi 56 jours avant, mais retardé. Donc, même principe. Et par exemple, pour Alexei Lutsenko, comme j'avais mis Tour des Flandres, eh bien, il n'a pas encore commencé.
le travail de planification, enfin de fabrication du pic de forme, pour être précis. Le pic de forme est toujours basé sur le même principe, hein, c'est-à-dire dès que vous atteignez les 100 points, donc les 100 points qui se décomposent, bah, comme je l'ai déjà expliqué par le passé, vous voyez ici par exemple les points d'entraînement, les points de course, voire même les points de stage, dès que vous êtes à 100, vous déclenchez votre pic de forme, et c'est comme ça que ça se produit. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça donne un mois plus tard, hein? On a envie de voir ça, parce que... Ouais, j'ai pas eu d'invitation à Home Loop, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ça aurait été juste amusant de le tester, mais ce sera fait avec d'autres équipes. Donc, on va en planification. Bon, une petite blessure là pour Yonisa Guéret, mais je vous rassure, elle passera très vite. On s'en fiche en fait. Non, ce qui est important, c'est surtout la forme. On voit que ouais, le travail s'est bien effectué. Alors évidemment, on a nos petits gars là qui viennent. Alors Harold Terrada, normal, il est en phase de récup après un pic, puisque je lui avais mis un pic Colombie avant qu'il ait un pic sur le Giro, par exemple. Donc lui, c'est pareil, il va devoir rebosser. Bon, en fait, il est en rouge parce qu'en fait, sa forme, elle est pas bien, elle est pas bonne à ce stade-là. Vous voyez, ça, c'est un défaut dans la manière de penser les choses. Il faudra y faire attention éventuellement avec certains coureurs. Alors, ça peut plus nous arriver comme ça pour des équipiers, hein, mais comme je lui avais mis Colombie, forcément, derrière, vous avez une longue période, vous voyez, où il n'y a pas grand-chose. Et donc, le type, il perd en forme. Et après, il va remonter, hein, mais c'est pour ça qu'actuellement, il est à 84. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait voulu le maintenir à un certain niveau de performance sans pour autant ben, il aurait fallu lui mettre un objectif, vous voyez, intermédiaire. C'est un peu... Ou alors, il aurait fallu, mais je peux plus le faire maintenant, hein, puisqu'il y a histoire des 3 semaines de delay, hein, par rapport au jour où on est. Hein. Voilà, vous voyez, je peux rajouter une petite zone cible, forme cible à 95%, par exemple. Voilà. Donc tiens, on peut regarder, est-ce qu'elle va subsister si je change d'onglet? Attends, on va tout de suite regarder ça. Oh, elle a subsisté. Peut-être qu'il y a eu une petite correction aussi de cet aspect-là que je présentais l'autre jour dans la vidéo de mardi. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que rien qu'avec ce petit début d'année, voilà, moi je veux regarder tout de suite une chose, l'état des courbes. On voit qu'en fait, la fatigue, elle est mesurée. C'est normal, on a été plus modeste dans l'approche, et surtout, on a géré nous-mêmes au lieu de laisser faire l'IA. Vlasov, le petit Matteo Sobrero, etc., etc. Donc, on voit que la team, entre guillemets, Giro Vuelta, est correctement en route. Pour ce qui est de Jakob Fuglsang, par exemple, pareil, hein, on est déjà à 97, donc ça marche bien. Hein, on va être assez élevé du côté de Tirreno, tout en maîtrisant la fatigue et en ayant un coureur qui n'est pas trop impacté par sa préparation. Donc ça monte doucement, mais sûrement. Vous voyez, pareil pour Aramburu, pour Lutsenko juste avant, pour Luis León Sánchez, etc. Donc ça semble très bien se passer à ce stade-là. Alors évidemment, ça pose quand même un souci, c'est que si j'avais laissé faire les choses automatiquement, ben on n'en serait peut-être pas là en vérité. Donc ça, c'est le petit souci qui m'embête. Pas tellement pour le joueur humain, parce que le joueur humain a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je m'en fiche de perdre 1 heure ou 1 heure et demie à planifier, du moment qu'après, j'ai une saison de qualité. Mais ce moyen, je trouve quand même... Alors, s'il faut introduire 2-3 bémols, ne nous garantit pas la préparation de l'IA, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si l'IA... Hein, je rappelle où en étaient les courbes de... C'était qui déjà? Alors, je suis parti un peu dans beaucoup de directions différentes. Hein. C'est un peu logique. Parce que j'avais besoin de faire pas mal d'expériences. Si on regardait, par exemple, je sais pas moi, je vous avais montré Landa. Alors, on va montrer quelqu'un d'autre. On va montrer Dylan Teuns. Hein, on va montrer Dylan Teuns. Par exemple, voilà, vous, lui, Amstel, Flèche, Liège. Ah, c'est peut-être pas un super bon exemple. Mais c'est pas grave, on va quand même le regarder. Dylan Teuns, pourquoi c'est pas un bon exemple? Parce qu'en fait son premier objectif était assez lointain, donc ça peut éventuellement biaiser ce que je cherche à vous dire. Bah non, ça biaise pas. Malheureusement, ça n'a même pas biaisé. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, la courbe de fatigue est déjà complètement pétée. Hein. Et il va falloir déjà un peu. Enfin, en fait, on est là ici à 26 mars, on est à
à 2 semaines, 3 semaines des Ardennaises, le mec a déjà, on sent bien qu'il a de faibles chances d'être très très, très très bien préparé au moment de son objectif premier, alors qu'il n'y avait pas d'objectif avant, quoi. Donc, inquiétude, là j'ai pris un exemple, j'aurais vraiment pu en prendre d'autres, hein, mais tiens, on va regarder quelqu'un comme Sonny Colbrelli, sur sa prépa, bah, pareil, vous voyez, il y a Milan-San Remo, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, ce qui paraît pas à la limite délirant, hein, sur le papier, mais avec déjà de la fatigue, de la fatigue, et ça c'est quand même dommageable. Donc, est-ce que ça a été aussi corrigé entre-temps? C'est possible, c'est possible, mais... Ce qui est certain, c'est que oui, je me fais un peu du souci pour la préparation de l'IA. Parce que ce serait quand même dommage qu'on nous ait annoncé une IA qui tient un petit peu mieux le choc qu'auparavant, pour dire que finalement, elle ne se retrouve pas bien préparée, mais ce, dès le mois de mars, en fait. Ce qui serait absolument pire que tout ce qu'on a déjà imaginé jusque-là. Voilà. À présent, petit break dans les planifications et dans cette recherche qui, à mon avis, prendra un petit peu de temps, peut-être plusieurs vidéos, pour se détendre un petit peu et aussi, pas seulement, hein, explorer un autre aspect du jeu, le comportement en course du jeu, en fait. Hein. Est-ce que quelques éléments ont changé? On sait qu'il y a des petites choses dont j'avais entendu parler après. On va développer tout ça. Les Strade Bianche sont un terrain de jeu, on va dire, intéressant dès lors qu'il s'agit de vouloir évaluer le comportement du jeu. Le plateau n'est pas formidable si l'on excepte Van der Poel, Stuyven et par exemple Michael Matthews. Mais vous noterez quand même que je me suis pas non plus coltiné le variant de base. J'ai quand même modifié, j'ai choisi le fameux DF Trek, hein, parce que inutile d'aller jouer les Strade Bianche de base, je ne veux plus jamais faire ça de ma vie. Donc, quel est le scénario? Ben, en fait, c'est une échappée qui part un petit peu plus que ce que je voyais d'habitude, y compris sur ce profil-là, sur ce variant-là, avec 6 minutes, et ça va me décider à rouler. Je vais demander à Fellini dans un premier temps, et puis ensuite il y aura même Omar Fraile qui le rejoindra, alors que Alex Aramburu, doté d'une mauvaise forme du jour, bah, il va s'occuper des bidons, lui. On doit absolument réduire cet écart à la limite. Si c'était 3 minutes, je n'aurais pas forcément bougé. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai remarqué que dès lors que je me mettais à rouler, Alpecin Phoenix ainsi qu'IF1 et Trek se sont mis un petit peu à participer. Donc ça, c'est à noter. Alors que jusque-là, personne ne bougeait. Et on laissait comme ça du champ à cette échappée. Je crois qu'elle avait pris 2 minutes en quelques kilomètres, 2 minutes supplémentaires en quelques kilomètres. Donc ça, c'était un truc que je voulais signaler. Je veux bien les retours d'expérience aussi qui peuvent être les vôtres. Hein, parce que une course ou deux, même 5, même 10, ne seront jamais représentatives d'un jeu, il faut vraiment voir les choses sur un gros gros échantillon et en l'occurrence le gros échantillon, moi à ce stade-là, je peux pas l'avoir pour essayer de tirer des conclusions qui ont une certaine valeur. Donc bah on roule, on voit qu'on arrive en fait à restreindre, à réduire l'écart. Maintenant, il y a plusieurs choses à observer. Est-ce que Van der Poel peut être largement au-dessus du lot, comme on pourrait éventuellement l'imaginer? Ou est-ce que la gestion de la forme de certains pourrait être peut-être insuffisante déjà? Puisque je vous avais montré dans une précédente vidéo que déjà dans certaines équipes, au début du mois de mars, on a une courbe de fatigue qui est un petit peu trop élevée. C'est peut-être un peu tôt pour constater la fatigue. Il va peut-être falloir attendre après Tirreno. Toutefois, une remarque. Parce que je n'ai rien édité, c'est volontaire. À part quand même le variant, bien sûr. Parce que là, bon, c'est bon, stop, quoi. Mais, tiens, voilà, c'est Michael Matthews qui va mettre le feu aux poudres. Donc, je n'ai rien édité, ce qui fait que, de manière habituelle, sauf database différente, mais on n'a pas de Koenig Quick Step, on n'a pas l'auto-soudal, pour ne citer qu'elle, qui participe
à cette course. On n'a pas non plus, ou alors c'est que ça m'a complètement échappé, mais on n'a pas Jumbo-Visma. Donc c'est quand même dommage d'être privé comme cela de certaines des toutes meilleures équipes du peloton pour une course aussi sympathique et intéressante. Est-ce que je peux oser dire qu'on n'a pas non plus Ineos? Hein, je pense que c'est également le cas. Voilà. Donc il y a toujours ce problème donc d'inscription sur les Strade Bianche. Alors après, forcément, ça s'est dit. Hein. Il faut N'hésitez pas là sur ce début de PCM 21 à me demander s'il y a des tutos particuliers dans certains sens que vous voulez que je pense à faire. Vous me le demandez dans les commentaires. Et j'essaierai soit d'orienter vers quelque chose que j'ai fait si c'est suffisant, soit je reproduirai du tuto, mais il faut me demander. Quand je dis que quelque chose s'est dit, par exemple, ben, peut-être 80% des gens qui m'écoutent le savent et savent le faire, peut-être pas à 100%. À vous de voir. En tout cas, on a aussi le Discord, évidemment, pour venir en aide de manière ponctuelle à des soucis comme ça. Van der Poel est parti tout seul. Vous voyez, donc en fait, à l'origine, Michael Matthews avait essayé de provoquer les choses. Derrière, il y avait eu un contre de quatre hommes, dont Van der Poel. Et ces quatre hommes, finalement, tout le monde avait fait le jeu de Van der Poel, qui se retrouve un petit peu tout seul en tête. Alors attention, va-t-on retomber sur le, vous savez, un petit fail de PCM, alors c'était 19, ou bien souvent l'immense favori, a fortiori si c'était parfois Julien Alaphilippe, par exemple, mais Van der Poel pouvait aussi être concerné. L'immense favori attaqué de trop loin, et ensuite, on n'avait qu'à se laisser, entre guillemets, un petit peu porter par l'IA, qui roulait comme une malade, nous ramener, et y compris en extrême, là, pouvait nous permettre ensuite de croquer la course en finalement en s'imposant au nez à la barbe de l'immense favori. Donc c'est aussi une question en abordant ces Strade Bianche. Là, je vous avoue, j'ai fait un énorme effort pour essayer de reprendre Van der Poel. On a réussi quand même à lui recoller au basque. On notera d'ailleurs l'exceptionnel niveau de Livins. Hein, c'est vraiment très 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 fort. Je pense avoir vu une victoire de Livins sur une autre Strade Bianche que j'ai jouée. Il me semble que c'était avec Bahreïn. Donc étonnant, étonnant coureur que ce Livins en ce début de saison PCM 21. Vous voyez, Van der Poel qui repart. Et là, pour moi. Bon, ben là, c'est du cyclisme. Hein. C'est, ben, qui est-ce qui va y aller? Qui est-ce qui va y aller? Ben, je suis obligé d'y aller. Voilà, je suis obligé de faire un gros effort avec Lutsenko, puisqu'on a déjà épuisé nos soutiens précédents. Fuglsang avait été bon, mais il n'était pas en grande forme. On avait du bon Fellini qui aurait fait un job monstrueux. On aurait eu comme ça des équipiers plutôt bons, hein, les équipiers Astana sur cette course-là. Sauf que je suis un peu court, et puis. D'un autre côté, j'ai pas tellement non plus envie de faire le boulot pour les autres. Je vois que personne ne bouge, donc je crois qu'en fait, il va falloir essayer plutôt d'attaquer pour essayer de reprendre Van der Poel, puisque sinon, il s'envole avec une rapidité qui est juste incroyable. Il a déjà presque la minute. Dès que tu te relèves 5 secondes, en fait, le mec peut prendre une minute hein, dans la simulation qu'il y a. Donc, on va faire ici un énorme effort pour essayer de revenir avec Alexei Lutsenko sur Van der Poel, sur l'ogre. Van der Poel, donc, vous voyez, il est en approche de revenir. Lutsenko, quand même, très bon coureur. Et plutôt pas si mal noté, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait penser de lui. Ouf, ça y est, on est rentré. On a repris Van der Poel, on a sauté dans la roue, hein, bien évidemment. Maintenant, on va se présenter à nous l'endroit où Van der Poel avait crucifié Alaphilippe. C'était quand? C'était en mars dernier. Ben regardez, il va faire plus ou moins la même quelque part. C'est-à-dire qu'il va à un moment donné produire une attaque avec une accélération juste sensationnelle. Il va laisser sur place Alexei Lutsenko qui finalement ne peut plus espérer que la deuxième place. Et regardez, Warren Barguil n'était pas si loin de le reprendre pour cette place. Le fameux Livins fait 5. Que lire? Fait 4 et c'est une sixième place pour Michael Matthews. Jasper Stuyven également. Dylan Teuns arrive un petit peu plus tard. Voilà, on aura donc ces premières Strade Bianche que je vous proposais. Moi, je les ai trouvées plutôt intéressantes et pour le coup, la course me paraît bonne quoi. C'est une bonne course, ça.
Et voir Vanderpool comme ça être très très difficile à concurrencer là-dessus est quelque chose qui me plaît pour l'intérêt du jeu, bien sûr. Voilà. Donc il y a d'autres échéances à venir. Hein. Je continuerai à vous parler de ça assez rapidement. Juste voir jusque-là qu'est-ce qui a été gagné et par qui. On voit que par exemple en simulation, Pogacar devant Vlasov sur Paris-Nice. Oui, bon. Et une surprise totale en simulation toujours, c'est Jakob Fuglsang qui s'impose sur le Tirreno. Donc là, forcément, j'ai une petite alerte, vous voyez? Je me dis, non, mais attends, ils sont quand même pas censés faire 2 et 1 sur ces deux courses-là. Que s'est-il passé? Est-ce un problème de notation? Est-ce un problème de forme déjà chez certains concurrents? En fait, je peux rien affirmer. Il va falloir aller plus loin pour pouvoir affirmer les choses. Il faut aussi dire, regardez, qu'on est tous sous pic de forme quasiment. Il n'y a que Lutsenko qui a son pic qui arrive dans une grosse quinzaine de jours, je pense, à ce moment-là. Mais ça interpelle un petit peu quand même. On peut se poser deux, trois questions. Est-ce que les zones, les formes cibles, là, vous voyez, ont bougé ou est-ce que tout reste en l'état? Ben, vous voyez, tranquille. Tout reste en l'état. Et le 80 et quelques pourcents de forme du moment de Vlasov s'explique totalement par l'intervalle entre deux formes cibles vertes claires. Donc ça aussi, ça va être un axe d'observation. Je reviendrai vers vous avec une vidéo sous peu. On va continuer un peu à examiner les quatre points que je vous signale là, savoir bah, essayer de se faire à cette nouvelle façon de planifier. Quel comportement de l'IA face à nous? Que ce soit dans la préparation de ces équipes ou en course. Et puis je prépare une vidéo un petit peu plus spécifique sur les fameuses zones de vent. Et donc on sera amené à développer des choses que j'aurais essayé de tester pour pouvoir vous proposer des choses qui recèlent un petit peu d'intérêt si possible. Voilà, à très vite et bon jeu à tous.